Un concessionnaire Ford fera son arrivée sous peu sur le boulevard Ste-Anne à l'Ange Gardien. Le 11 avril dernier, c'était la première pelletée de terre officielle pour la construction du bâtiment qui abritera la nouvelle concession Ford sur la Côte-de-Beaupré. Selon Ford, eh bien, la demande grandissante pour leurs véhicules, de même que la forte croissance de la population, ont motivé cet investissement dans la région. Ce nouveau complexe de 27 000 pieds carrés regroupera une salle d'exposition d'une capacité de 7 véhicules et un service après-vente de 21 baies de service. Il s'agit là d'un investissement d'environ 6 millions de $ et qui fera travailler une quarantaine d'employés. La télévision d'ici était sur place pour l'occasion et donc j'ai rencontré le directeur général de la région de Québec pour Ford, Bertrand Lessard. On vient de mettre la première pelletée de terre pour une nouvelle concession Ford dans la région de Québec sur la côte de Beauport. Alors, on est tout excité de ça. Alors, Desjardins va ouvrir une nouvelle concession ici. On est vraiment excité de ça. Alors, pourquoi la Côte-de-Beaupré plus qu'un autre endroit? Bien, c'est un secteur dynamique qui se dynamise de plus en plus. La construction va bon train. Il y a de plus en plus d'unités familiales qui se construisent. Les commerces s'en viennent vers ici. C'est une expansion de la ville. Alors, on est déjà bien couvert à Vanier avec Desjardins Autocollection. On s'est installé à Sainte-Foy avec Desjardins Sainte-Foy il y a de cela une année et demie. Maintenant, il va de soi qu'on s'en aille vers la partie un peu plus est de la ville. Et puis la Côte-de-Beaupré, ça pourrait être bien à ça. D'autant plus qu'on retourne un peu à nos sources parce qu'on a déjà eu une concession sur la Côte-de-Beaupré avec Fillon et Frères dans l'ancien temps. À quoi on va avoir droit comme bâtiment, comme structure? Bien, je pense qu'on peut voir avec la photo en arrière. Alors, sur une bâtisse flambant neuve, au nouveau standard qu'on appelle les standards du millénium chez Ford. Alors, une construction moderne avec des matériaux recyclables et recyclés dans bien des cas, à la fine pointe de la technologie, en fait. Donc, la construction a marqué ouverture 2013. On parle de quand exactement? On voudrait que ce soit le plus tôt possible. La température aidant, bien entendu, ça devrait être en début d'été. Merci. Ça fait plaisir.